Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être une nouvelle fois fidèles au rendez-vous des Racines et des Ailes. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire, les histoires de rois, d'empereurs, de sultans qui en France, mais aussi en Bavière et au Maroc, ont investi dans la pierre pour immortaliser leur nom, leur goût et leur politique. Ces rois bâtisseurs ont créé des palais, des châteaux et même des villes qui aujourd'hui encore nous séduisent et nous étonnent par leur grandeur ou leur splendeur. C'est le cas du château de Vincennes où nous sommes ce soir, un palais royal aux portes de Paris qui servit de résidence et même de refuge à de nombreux rois. Sa proximité avec la capitale, l'ampleur de ses murailles et de son donjon le plus haut d'Europe en ont fait l'un des hauts lieux de l'histoire de France. Longtemps oublié, souvent méconnu, le château de Vincennes, fondé au Moyen-Âge, n'a cessé d'être transformé, agrandi, embelli par tous les plus grands souverains de Charles V à Louis XIV. Alors avec mes invités qui m'attendent dans la Sainte-Chapelle, nous allons vous raconter la passionnante histoire du château de Vincennes, mais aussi celle des châteaux fous de Louis II de Bavière et de la ville impériale de Meknès. On se retrouve tout de suite après le sommaire de ce nouveau numéro des Racines et des Ailes. Nous irons enfin à Meknès, l'une des quatre villes impériales du Maroc. Elle fut créée par le sultan Moulay Ismaïl, contemporain du roi Soleil. Mohamed El Razali est professeur d'histoire. Il nous racontera comment le souverain fit de Meknès la capitale de son empire. De la célèbre porte du vainqueur jusqu'au palais Mansour, récemment sauvé de l'abandon, en passant par les jardins et les hammams, nous partirons sur les traces du père du Maroc moderne. Nous accompagnerons également Karima Bouchara au cœur de la Médina, à la recherche d'accessoires de costumes. Le temps d'une fête, elle veut faire revivre les cavalier de la puissante armée de Moulay Ismaïl, l'ancêtre du roi Mohamed VI. Dernier reportage de cette émission consacrée, je vous le rappelle, au roi bâtisseur. Je vous propose de prendre la direction du Maroc, car c'est au Maroc que vécut Moulay Ismaïl, un personnage lui aussi haut en couleur, contemporain de Louis XIV, décidément incontournable ce soir à Vincennes. Alors comme le roi Soleil à Versailles, ou ici donc au château de Vincennes, ou encore Louis II de Bavière, le sultan du Maroc va inscrire son nom dans la pierre. Moulay Ismaïl va faire de Meknès la capitale de son empire, un empire qui l'agrandira et embellira sans cesse durant ses 55 ans de règne. Des palais somptueux, de sublimes mosquées, des jardins extraordinaires qui font encore aujourd'hui la renommée de la ville. Meknès l'Impérial, un reportage signé Jean-Christophe Chaton et Sam Caro. Au cœur du Maroc, Meknès. La ville d'un roi, le sultan Moulay Ismaïl, le fondateur du Maroc moderne. Au XVIIe siècle, il en fait sa capitale. C'est aujourd'hui l'une des quatre villes impériales du royaume. Pour plonger dans le Meknès authentique, il faut venir ici, dans l'un des souks de la ville, à l'heure du marché. Les couleurs, la foule, la clameur. Difficile de résister au charme de cette médina marocaine. Karima, elle aussi, a succombé. Il y a 18 ans, elle quittait Casablanca, sa ville natale, pour s'installer ici. Où est-ce qu'on est là, en fait ? Mais là, c'est un petit souk au cœur de la médina. Qui fonctionne que le matin, l'après-midi c'est fermé. Moi j'adore cette ambiance de souk, j'aime bien, c'est la vie, c'est les odeurs, j'adore. Karima aime aussi tous les petits métiers qui font vivre ce quartier de Meknès. Salam alaikum. Flashy et chômage. Là, on est chez le boulanger. On n'est pas chez le boulanger, non. On est chez le monsieur qui fait cuire le pain que les femmes font à la maison. Donc, c'est. Et il fait la distribution aussi. En fait, c'est un four public. Voilà. Et vous aimez ça? C'est des gâteaux, c'est de la pâtisserie marocaine, bien sûr que c'est bon. Mais aujourd'hui, Karima est là pour d'autres raisons. Organisatrice d'événements,
Elle est à la recherche d'accessoires de costumes et d'objets traditionnels que seuls les artisans d'ici savent encore faire. Assalamu alaikum, on arjat. Si, je te dis que je viens. Je viens de prendre un petit peu, mais je viens de prendre un petit peu. Je viens de prendre. Nous sommes chez Ahmed Bouhama, sellier et bottier depuis des générations. Il est le dernier à Meknès à réaliser ce genre d'article. Pourquoi vous cherchez des bottes? Pour mes cavaliers, mes soldats. En fait, j'ai refait une armée de soldats. J'ai imaginé, avec des recherches un peu sur Internet, avec des dessins que j'ai retrouvés, j'ai essayé de reconstituer une armée de Moulay Ismaïl. À l'époque, je l'ai. Entre légende et vérité aussi, allez. L'armée de Moulay Ismaïl, mythique dans l'esprit des Marocains. Nous sommes au haras de Meknès. Pour l'ouverture de son prochain événement, Karima met en scène justement des cavaliers de ce sultan. Et aujourd'hui, entraînement avec les chevaux et en costume d'époque. هذاك الخضر ديروا فوق دوروا على الطربوش ديالك عرفتيو من بعد خشي بحال الرزه ديروا من هنا دير من هنا صح كلشي انت يلا لا ما كتعرفش دير الزكا هكا كدور الزاله فوالا دونك جيسي دو جوي سور لو ديتاي بور اتر لو بلو بريسيس بوسيبل سور سو كوستيم بون جو سي كيز افيه بوكو دو بحل دان لي زيو ايز افيه لي زيو نوار جو بونس سيتي بور سواني لو. C'était plus pour soigner que pour être beau. Les autres détails, c'est quoi? Les autres détails de costume? Ben, il y a la cape. Bon, pour les cavaliers, il y a les bottes à la traditionnelle comme ça. Voilà. Et puis, bon, il y a des détails aussi, par exemple, je sais qu'ils mettaient beaucoup de broches sur le turban, là, celui-là, avec des plumes de paon. Mais ça, je pense que c'était dégradé. C'était plus dégradé, c'est une espèce de médaille, quoi, je pense. Là, on a dit ça, quand on met bien chez le chien, pas de mais dans son spectacle, Karima prévoit une vingtaine de cavaliers, autant de fantassins. Pour elle, cette reconstitution est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail. C'est important pour vous de vous référer à Moulay Ismaïl pour des événements? Bien sûr. Pourquoi faire autre chose alors que ce qu'on a est beau et facile? Ça me fascine. Je trouve qu'on a une belle histoire qui est riche en couleurs, en événements. Je puise dans mes racines. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a à portée de main? Qui est beau d'ailleurs en plus. Faire revivre un peu tout ça. Faire revivre Moulay Ismaïl. Au XVIIe siècle, ce sultan unifie le pays contre les tribus berbères. Il est le père de la nation. Un personnage hors norme qui accède au trône en 1672. Sur lui, on a tout dit. Guerrier sanguinaire, collectionneur de femmes, père de milliers d'enfants. Où s'arrête la légende? Une certitude, sous son règne, Meknès connaît son heure de gloire. Il offre à la cité son symbole, cette porte majestueuse. Devenue la photo incontournable pour tout voyageur de passage. Son nom, Bam Mansour, la porte du vainqueur. Le vainqueur qui a tout vaincu. Il a vaincu déjà toutes les tribus qui étaient contre. Donc il est le vainqueur. Puis il a vaincu aussi les quelques chrétiens qui étaient sur les ports un peu plus loin, sur l'Atlantique, Azila, Mamora, tout ça. Et à partir de là, derrière cette porte, on rentre dans la partie impériale de Meknès, en fait. Exactement, voilà. Vous aimez cette porte? Ah, je l'adore. Pourquoi? Je l'adore parce que depuis mon enfance, je l'ai vue, j'étais très petit, elle était immense, et plus je grandis, plus dans la mémoire. Des gens, elle représentait quelque chose pour moi qui était impressionnant, qui mettait en valeur la ville dans laquelle je suis né. Voilà. Après, je me suis dit, il faudrait que je comprenne un jour pourquoi elle est si importante dans la mémoire collective des habitants de Meknès. Et pourquoi elle est si importante, justement? J'ai compris. Parce que
elle a toujours signifié la sécurité. Mohamed El Razali cherchait à comprendre. Il est devenu professeur d'histoire. Avec lui, nous allons découvrir comment l'esprit de Moulay Ismaël habite cette cité, bien à l'abri derrière ses murailles. Il est partout par ces murailles. Chaque fois qu'on est dans un quartier qui a peut-être changé durant les siècles après sa mort, mais à chaque fois, ils réapparaissent. Pour montrer justement cette grande présence dans la cité ismaïlienne. Et dans l'histoire du pays. Et aussi dans l'histoire du pays. Les murailles de Meknès omniprésentes. Au total, ils vont en construire 40 km. Et à l'intérieur, il y aura sa ville, immense, qu'il décide de bâtir dès son arrivée au pouvoir. Par chance, de l'ancienne citadelle qui était là, il conserve une grande partie de la médina. C'est toujours le cœur commerçant de la ville. Et entre deux échoppes, on déniche encore quelques trésors, comme cette médersa. Une école coranique où les élèves étudiaient les principes de l'islam. Ici, tout est sculpté, décoré dans la grande tradition de l'art islamique. Un peu plus loin, un lieu insolite, conservé là aussi par Moulay Ismaël. Un hammam enserré dans la muraille, juste derrière cette porte discrète. Une cinquantaine de personnes viennent se baigner chaque jour ici. Le matin est réservé aux hommes. Et pour s'occuper d'eux, il y a Abdelmajid, soigneur-masseur depuis 16 ans maintenant. Ce hammam a 400 ans. Il a été construit bien avant les Mérinides ou les Almohades, bien avant Moulay Ismaël. Il est tellement vieux, ce hammam, qu'on dit souvent qu'il a 400 siècles. En fait, ça veut dire que les gens venaient ici au temps de Moulay Ismaël. Oui, bien sûr. Nos parents racontaient que tout le monde venait ici, les riches, les pauvres, même les princes. Et eux, ils étaient toujours accompagnés par leurs serviteurs et leurs domestiques. Un hammam historique, toujours chauffé à l'ancienne, avec de la sciure de bois. Le hammam, symbole d'un certain art de vivre à la marocaine, comme pouvaient l'être également les palais à l'époque de Moulay Ismaël. Nous retrouvons Mohamed sur les traces du grand sultan marocain. Après 3 siècles de transformation et d'urbanisation anarchique, la cité impériale est devenue un véritable dédale de ruelles étroites. Et pour s'y retrouver, mieux vaut avoir un bon guide. Venez, un bel endroit là. Ce bel endroit est le palais Didi, un riad qui vient tout juste d'être restauré. Ben, nous sommes dans probablement une des maisons occupées par Moulay Ismaël, ou du moins occupée par l'un de ses fils. Comment s'organisait la vie dans un palais comme ça? Eh bien, il y avait, comme on en voit ici, le patio qui est toujours donné à des chambres. Et dans les chambres, il y avait le salon, qui était le plus beau, plus garni en tapis, en décor, qui servait donc à recevoir. Et il y avait les chambres beaucoup plus cachées, moins ornementées, moins décorées, qui servaient bien sûr pour les occupants de la maison, les enfants. Et
toujours un petit bâtiment à côté qui aussi était le lieu des esclaves. Donc c'était un peu la structure d'une maison pareille. Ce palais à taille humaine, Moulay Ismaël l'aurait occupé avant son accession au trône en 1672. Il était alors gouverneur de la ville et savait déjà que Meknès lui apporterait gloire et rayonnement. Alors là, on voit ce motif-là qui signifie la grandeur de Moulay Ismaël. Ça représente le symbole d'un roi soleil. Donc vous aussi, vous aviez votre roi soleil. Oui, oui, peut-être le vrai, hein. Moulay Ismaël et Louis XIV, deux rois soleil qui ne se sont jamais rencontrés mais dont les destins vont se croiser. En 1711 d'abord, lorsque le sultan écrit au roi de France pour lui demander la main de sa fille, Marie-Anne de Bourbon, Louis XIV refusera. Dans une autre affaire ensuite, plus grave, qui a pour cadre ce petit palais, le pavillon des ambassadeurs, où l'on retrouve encore symbolisé l'astre solaire. Ici va se jouer le sort de quelques dizaines de Français capturés sur mer et devenus otages du sultan. Nous sommes dans la salle des ambassadeurs, salle construite par le roi Moulay Ismaël dans un but de régler ce trafic appelé la course et qui agissait de capturer des bateaux européens et ramener ces captifs pour essayer de les faire échanger. Nous sommes en plein âge d'or de la course. Au nom des rois, les corsaires de tous bords pillent les navires ennemis. Les marins faits prisonniers, eux, sont revendus à leur pays ou échangés. Un véritable commerce de captifs se met alors en place. Le sultan veille sur ce commerce de captifs. Il n'est pas directement impliqué, mais il veille sur cette action qui est légitime. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est très significatif quand on lit. Alhamdulillah, nous sommes dans ce cadre divin. Gloire à Dieu. On peut imaginer que les négociateurs venaient ici pour discuter de ces rançons, des montants, et aussi s'enquérir de l'état de ces captifs qui sont juste à côté. Louis XIV enverra trois missions afin de libérer les prisonniers, sans succès. Sous le pavillon, un lieu de sinistre mémoire où ces hommes ont passé une grande partie de leur captivité, au milieu des assassins et des opposants au sultan. Nous sommes donc en plein dans les prisons de Moulay Ismaël, symbole de fermeté, parce qu'il a fallu être ferme. Il a fallu être fort pour justement dominer un Maroc désuni, un Maroc difficile à contrôler. Et donc, on est là dans un symbole de cette fermeté, de ce pouvoir. Des milliers d'hommes seront enfermés dans cette prison qui courait, dit-on, sous toute la ville impériale. Architecture imposante et unique au Maroc. Et ils encochent là-bas sur les voûtes. Alors on dit que les plus dangereux de ces criminels qui étaient beaucoup plus débarbés, révoltés, étaient quelquefois accrochés comme ça, hein, carrément. Ah, ça servait, c'était une pièce en bois avec des chaînes. Voilà, enchaînés carrément, et ils n'étaient libérés que pour sortir travailler ou pour manger. Ça, on raconte toujours ça. Cette gravure du XVIIIe siècle donne une idée de la personnalité du sultan. À ses pieds, le tourment des chrétiens captifs, empalés ou écartelés. Moulay Ismaël, sultan cruel, mais également architecte insatiable. Pendant les 55 ans de son règne, il ne va jamais cesser de bâtir. Des murailles, des mosquées, des palais, des jardins comme celui-ci. Un jardin aujourd'hui transformé en golf.
Avisé, le sultan fera aussi creuser ce bassin de 4 hectares pour l'alimentation en eau de Meknès. Car il voulait que sa cité soit autonome en cas de siège. D'où ses immenses greniers à blé et à orge. Ainsi que ses écuries, qui contenaient, dit-on, 12 000 chevaux. Et revoici Mohamed, dans un lieu vénéré par tous les Marocains. Un lieu de culte. Il faut donc se déchausser avant d'entrer. Bismillah. Shukran. Alors là, on est au mausolée. Au sein des saints. La salle de recueillement, carrément. Là, nous avons les tombes. Moulay Ismaïl, tombe de Moulay Ismaïl. Moulay Ismaïl meurt en 1727. C'est lui qui installe véritablement les Alaouites au pouvoir au Maroc. Avec l'actuel roi Mohamed VI, cette dynastie règne toujours aujourd'hui. Les Alaouites, une lignée royale venue d'Arabie et aux origines des plus prestigieuses. On voit par exemple là l'arbre généalogique qui va jusqu'au prophète Mohamed, parce que ce sont quand même des descendants directs du prophète. Là, sa fille Fatim Zahra, et puis après Hassan, et on va jusqu'à Mohamed Nafs al-Zakiya, al-Qasim, Ahmed, et ainsi de suite, Ali, Abu Bakr, et on est dans cette suite généalogique. Depuis le prophète jusqu'à Moulay Ismaïl. Il est où Moulay Ismaïl? Ici, voilà. Moulay Ismaïl, le fondateur de cet empire alawite. Et après lui? Et après lui, bon, on a Abdallah, Hicham, Abdelrahman, Mohamed, Hassan Ier, Youssef, Mohamed V, Hassan II, et bien sûr, ici, Mohamed VI. L'actuel roi du Maroc. L'actuel roi du Maroc. Les Alaouites sont venus du désert, et avec eux, l'architecture saharienne. Et depuis quelques années, les autorités ont pris conscience de la valeur de ce patrimoine. Ce matin, revue de chantier pour le Wali, c'est-à-dire le représentant du roi dans la région de Meknès. Nous sommes au palais Mansour, une ancienne résidence du sultan Moulay Ismaïl. Il y avait visiblement urgence à intervenir là, non ? Exact, 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 parce que vous savez, ça, pour soutenir la voûte, vous voyez ? Donc pratiquement, le mur s'est effondré et donc il a emporté la voûte. Alors il y a un travail urgent à faire pour soutenir à la fois le mur et la voûte. Vous savez, c'est imbriqué. Si jamais pratiquement une pièce s'écroule, c'est tout l'édifice qui s'écroulera. Alors vous voyez un petit peu cette architecture ismaélienne, comme on l'appelle. Elle est à la fois un mariage heureux entre l'architecture saharienne très sobre. Bon, il n'y a pas de décor un peu à l'image de l'architecture andalouse, c'est sobre. Mais vous voyez aussi quelque chose qui est propre à l'architecture des églises, donc à l'architecture gothique. Et là, c'est l'apport des corsaires, et particulièrement portugais. C'est ce côté cathédral. Ça rappelle une chapelle. C'est une interaction culturelle qui se faisait par le truchement de l'architecture. Vous êtes entre le Sahara et l'Europe. Absolument, absolument. Et ça, c'est propre, c'est un peu propre à Meknès. Ce génie, finalement, Meknassi, qui marie, comme je l'ai dit, l'architecture saharienne, parce que la dynastie alaouite est d'origine saharienne, avec l'apport de l'Europe. Après 3 siècles d'intempéries et de pillages, ce monument est d'ores et déjà sauvé. Et avec lui, c'est tout un quartier longtemps délaissé qui renaît.
Nous suivons maintenant le wali au premier étage de ce palais de 20 000 mètres carrés. Ça, c'est les traces d'une porte. Vous voyez, donc, abîmée. Donc, il devait y avoir une pièce ici. Et vous, votre objectif est de le remettre en l'état ? En l'état, c'est peut-être pas possible. Le restaurer, d'abord le réhabiliter, le restaurer. Je pense qu'on pourra plus, par exemple, le couvrir. Et quelque part, très cher. On ne saura pas le faire. On n'a aucune idée. Je pense que toute sa beauté, c'est de le préserver tel qu'il est. Vous voyez un petit peu les trous là-bas ? C'est les traces de poteaux. Qui tenait le toit ? Qui tenait le toit. Le wali prévoit encore 2 ans de travaux, uniquement pour le gros œuvre. Là, c'est visiblement un bain mort. Hein. Un bain mort avec un système de canalisation. Et là, vous avez une idée sur le parterre, donc en faïence. Et l'endroit sans doute le plus spectaculaire était ici, sur la terrasse. Évidemment, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Alors là, c'était un jardin suspendu. Et donc, ce que vous voyez là, c'est les traces de rigoles. Un immense jardin avec des fontaines, des éliges, des kiosques. Mansour était un véritable palais des mille et une nuits. Et quand vous êtes là et vous voyez encore tout le travail à faire, vous vous dites quoi ? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a d'autres priorités ? Bah écoutez, le développement, c'est tout un tout. C'est tout un tout. Il n'y a pas de développement matériel sans un substrat intellectuel. Vous voyez ? Et l'erreur qui a été faite dans les années 60, etc., avec la notion du progrès, c'était de penser qu'il fallait commencer par tout ce qui est matériel. Vous savez, le matériel et l'immatériel sont imbriqués. Et on l'a vu, la restauration a changé le vécu de ces gens-là. Hein. On est fiers de l'histoire de son pays, on est fiers de son pays, exact. Et donc on le construit vers l'avant. Exact, exact, exact. Donc ces murs nous parlent. Et ils nous disent, comme on a avancé dans le passé, on pourra avancer dans l'avenir. Après le coucher du soleil, le wali nous donne un nouveau rendez-vous au palais Mansour, redevenu pour l'occasion lieu de prestige. Qui attendez-vous là ? J'attends une délégation d'Américains qui travaille sur le dialogue des cultures et des civilisations. Voilà. Et vous êtes fiers justement de leur montrer un petit peu la restauration ? On est toujours fiers de ce qu'on fait. Hein. Ce soir, une quarantaine d'Américains aura l'honneur de découvrir la salle aux 7 alcôves. Selon les chroniqueurs de l'époque, il s'agissait de l'ancien quartier général de Moulay Ismaël. Là encore, une architecture unique au Maroc. De l'autre côté de la ville, face à la porte Mansour, une place royale voulue par le sultan. Moulay Ismaël n'a pas hésité à raser tout un quartier pour sa gloire. Aujourd'hui, comme Jama El Fna à Marrakech, le lieu est chaque soir un théâtre en plein air avec ses musiciens et ses 10 heures de bonne aventure. Son nom, El Edim, la destruction. Drôle de nom pour honorer un roi bâtisseur. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations concernant les reportages que nous avons diffusés ce soir sur notre site internet. Cette émission était réalisée par Jean-Luc Orabona avec les moyens techniques de France 3 Productions Marseille. Avec Patrick Charles, Isabelle Richard et toute l'équipe des Racines et des Ailes, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. Bonsoir et à bientôt.